Voilà, enfin, on est arrivé à Alexandria chez le garagiste Patrick Potvin qui va nous installer des panneaux solaires et des batteries comme ceci pour notre VR. Alors nous, on a sorti tout notre bordel qu'on n'a pas le temps de ranger évidemment depuis qu'on est parti hier soir à minuit. Raphaël, il attend un appel pour son travail. Puis ben moi, je vais gentiment commencer à ranger. Pour ta première journée de travail? Ça stresse? Un petit peu. Pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à appeler? Je crois qu'il est concentré. Le travail m'appelle. Exact. Ouais, 20 minutes. Ok. Non, je. Ça aussi, c'est à donner. Oh, des lentilles là, j'ai des lentilles à plus finir. C'est magnifique. On nous a dit vendez tout. Ah bah nous on vend pas. Nous on vit dans l'opulence. Ah. C'est ça venir au Canada, d'aller chez Costco, tout acheter en gros, rien dans un van. Ben... Les armoires sont remplies puis il y en a encore tout à ranger. C'est ça. Bah, au moins la bonne chose c'est qu'on va pas faire des courses je pense pour le prochain mois, juste les produits frais qu'il faudra acheter et on va plus faire d'achat avant d'avoir tout fini ce qu'il y a dans nos armoires. Je pense qu'on a le temps de finir notre voyage d'ici là. Les mecs qui ont de la bouffe pour 2 mois quoi. C'est pas beaucoup par rapport à certaines familles américaines. Mais bon, allez. On a pas compris le principe de la van life. Courage. C'est quoi ça? Les lentilles vertes. C'est une très bonne source de protéines et de fibres. Tu devrais le savoir. Ça va aller là, les lentilles. Donnez-moi. Je vais ranger. Ça se remplit gentiment. Les féculents, les choses pour le déjeuner. Là, on va remplir de Tupperware. Parce qu'on en a beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Enfin, l'heure de souper. Qu'est-ce que t'as fait, Raph? J'ai fait une omelette revisitée aux saucisses, érables et pommes. Érables et légumes, oui. Miam. Trop hâte de goûter, merci mon amour. Surprise. Voilà, les panneaux solaires sont installés. On va être capable d'être complètement autonome avec le soleil. Et on profite de l'ombre aussi. Trop bien le hamac, j'adore. Petit dîner en mode doclo, comme diraient mes potes. Clodo! Bon app! Ça a l'air bon quand même. Ouais, super! Merveilleux! Fabriqué sur mesure. Comment ça va ce matin, capitaine? Ça va très bien. C'est une bonne nuit. Les panneaux solaires fonctionnent, donc ils donnent à fond. Donc non, c'est cool. Enfin, il fait beau soleil en même temps, hein, pas un seul nuage. Bravo monsieur, bravo! Et voilà la maison de ma cousine. C'est-il pas beau ça? On s'énerve? Mais non, on est en vacances. Presque. La réponse, vous l'avez deviné, Alex Ferrari, barabara, béré, béré. Et je vais féliciter plus de personnes pour tes nombreux à trouver la bonne réponse, honnêtement. Rue Chicoutimi. Chicoutimi, hostie. On arrive. T'es fait un ami? Ouais. Comment il s'appelle?
s'appelle Jack. Tu montes dessus? Sauf que des fois, il veut... des fois, ça le dérange pas, mais il avance. Mais des fois, quand je mets sa selle, il veut pas avancer. Oh. Je lui dis n'importe quoi, puis il veut pas avancer. C'est comme quand je suis à l'équitation, il veut même pas comprendre. Il voit que notre entourage manque son enfumé. T'as ce repas? Bah oui. Avec du pain maison. On dirait comme une grosse meule de fromage, c'est tout. Oui, c'est ça. Il y a l'air bien. J'ai grand-maman. Enfin arrivé dans la maison familiale. Comment ça s'est passé la route jusqu'ici, Raph? Très bien, on est resté poigné derrière un gros tracteur. Sinon ça va. Ça c'est un bracelet, c'est quoi? Un autre chapelet ou un mini chapelet là? Je sais pas trop. Mini quelque chose. Ouais. Oubliez donc un peu. Ah oh, bon, travaille avec ça. Tiens. On va emmener ça aussi. Ouais, vous allez emporter? Ben. Ça des fois, des chaussettes épaisses, c'est trop épais. Ça, c'est des chaussettes. Mais ceux-là, c'est des bas. C'est des bas mis. Les bas Sophie. C'est marqué Sophie dessus. Ouais. Il y en a 5 paires là-dedans. 5 paires? On va emmener le tout. Ben, attends. Ça aussi, ça, oui. Bon, pour ça. Magnifique. Une petite couverture. Ça, c'est des affaires d'avion qu'on a. Ah, volé. Peut-être, oui. C'est ça. Qu'on a switché, pas plus honnête que les autres. Ouvre donc un petit tiroir au bord, là. Voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah, ça, c'est pour guérir. Les maladies, c'est aimanté. Puis Mme Arlette, elle se met ça dans le cou, dans les poignets, puis tout de suite, ça va mieux. Puis on va le mettre où, le petit sac? Quand il est fini, il est sorti, il y aura des déchets. Voilà, que pensez-vous de notre station de travail? Donc moi, je suis là, sur la rallonge de la table, qu'on va évidemment recouvrir, mais pour le moment, c'est comme ça. Et Raphaël, il est à la grande table avec son écran et son ordinateur. Bah oui, moi je suis bien. Ce qui reste à tester, c'est la connexion. Hein. On va voir. J'ai un appel dans 2 minutes avec mon élève. Suspense. Enfin l'heure d'installer la douche. Ouais, léger petit problème. C'est trop long. Ça fit pas. Et voilà. Donc on va le couper. Croyez-le ou non, je trie les cure-dents. Pour qu'on n'ait pas un buffet cheap, exactement. Alors oui, je les aurais tous touchés, j'avoue, mais voilà, au moins, ceux-là, poubelle. On dira ce qu'on veut, mais on voit très bien la différence entre des cure-dents cheap et des cure-dents de qualité. Pas parce qu'ils sont blancs, qu'ils sont de bonne qualité, mais ils sont beaucoup plus réguliers que ça.
Pendant que Raphaël installe la douche. Installe la douche, on l'espère cette fois. Dans le rideau de douche. Le rideau de douche. Ah, ça tient là. Super, on a un rideau de douche. C'est quoi les dessins dessus, des papillons? Des fleurs? Oh, c'est beau. Dis-moi si on me voit quand je vais dedans. Est-ce qu'on me voit à travers? On voit tout. On voit tout, tout, tout. Mais non, tu triches. Je voulais voir à travers, pas voir dessus. Mais non, on voit rien du tout. Alors, merci, mon amour. Notre VR ne recule plus. C'est bien, hein? Fin du voyage, on est déjà coincé. Yes. Et hop, on est déjà dans la merde. C'est super. Notre marche arrière ne marche plus, puis maintenant c'est quoi? Ça fume. Ça peut pas exploser ça ou bien? Eh, c'est quoi? C'est de l'huile? C'est du pétrole. Bon, chouette. Cool, hein? Ouais. Ok. Ouais, là, on dirait que ça... Oui, ça bouille. Bonjour. T'es tellement nul. Non, mais habitez-vous encore dans le coin? J'étais en VR là. La semoule. C'est toi qui as acheté ça en plus. L'année passée. Du curry, mais c'est, on pourrait nourrir toute l'Afrique avec ça. Pourquoi l'Afrique? C'est raciste ce que tu dis. On va couper ça à l'édition. Censurer.